fin de matinée, hein, après à la fin des orages, le vent est rentré un peu aléatoirement et je me suis un peu fait piéger, je me suis retrouvé dans l'est de la flotte, c'était pas très pratique, et du coup je suis arrivé par le large, ce qui était pas très joli au final comme trajectoire. J'ai fait un peu de perte, mais écoute, rien de grave, voilà, et puis voilà, on se retrouve de toute façon dans une zone de transition comme prévu, avant de toucher le nord-est qui va forcir pour monter jusqu'à Dieppe. Bah ouais, ouais, on a du 54, tu vois, on a du nord-est, donc je sais pas trop, nous on a aucune idée de combien de temps ça va durer. Hein. Ouais, carrément, c'était un beau bord de reaching sous piste, c'était sympa, ça a permis de dormir et de manger un peu. Ce qui a fait du bien parce que c'est quand même très long cette étape. Et puis oui, effectivement, là, le petit vent qui nous a permis de s'extraire de Saint-Marcouf, c'est pas trop mal. Là, il y a encore un peu de courant qui nous gêne pour gagner dans le nord, mais peut-être après la renverse, on arrivera plus facilement. Voilà, écoute, on va faire notre petite route. Il y a Eric qui s'est barré, c'est dommage, j'étais avec lui. J'aurais été plus tranquille comme ça, mais écoute, on va continuer tranquillement. Ouais, écoute, j'essaye de pas y penser, mais si ça part par devant, il est peut-être en bonne position, hein. Je sais pas. Écoute, j'essaye de pas y penser. Là, j'essaie de sortir de là, mais je suis algué dans la quille, donc j'ai pas beaucoup de vitesse. Donc voilà. Écoute, je fais au mieux tranquillement. On verra.